Bonjour, alors le pèlerin, aujourd'hui il joue les touristes à Séville et à défaut d'être monté en haut de la Giralda que vous voyez derrière, qui était fermée à cette heure-là, je suis en haut de la Torre de l'Oro. Bonjour, il est 7h30 du matin et je suis devant la cathédrale de Séville. C'est là que mon camino commence pour normalement 1100 km. Et après seulement 12 km de marche, donc pas trop fatigué, me voilà dans le site antique d'Italica que je vais visiter avant de continuer mon étape. Thank you.
Une super étape, le jour se lève, au milieu du chemin, c'est les biquettes. Voici dans l'étape entre Monastero, Rio, et Fuente de Canto. Et là, je fais une pause à l'ombre sur le seul arbre que j'ai pu trouver depuis ce matin. Thank you.
soleil levant, parmi les oliviers en fleurs, sur la route de Villafranca de los Barros. L'étape entre Torremeggia et Mérida n'est pas terrible, beaucoup de bitume. Là, je suis dans un petit chemin de terre, dans les vignes. Et l'important, c'est que mon ampoule sous mon pied droit me fait moins souffrir. Sí, yo soy tombé. Ostras, te has caído. Te has caído. No me lo tratas bien de tú. Bueno, a ver. ¿Te duele? Encore une étape où il faut profiter du peu d'ombre qu'il y a sur le chemin. Thank you.
après un arrêt technique d'une journée à cause de mon ampoule sous le pied droit à Caceres. Voilà reparti dès 6h30 du matin. Je suis aux arbres. Thank you.
aujourd'hui, à la sortie de Carcabozo. C'est la première fois qu'il a fallu mettre la cape de pluie. Je viens de quitter une charmante petite albergue à Berar de la Calzada. Et maintenant je marche dans ce qu'on appelle la meseta de la Castille de León. Bonjour, je suis à l'Alto de San Pedro. Alors, il est situé pile au milieu entre Séville et Santiago. Donc, il y a 500 km de fait.
et 500 à faire. Thank you.
ce matin, à la sortie de Salamanca, le Camino était assez sympathique dans la campagne. Mais depuis Cajada, on longe une autoroute, ça me rappelle un peu le Camino Frances. Thank you.
Tienen un depósito arriba y la fuerza no, hace, ¿no? Porque para ducharse por la mañana, que a veces tenía frío, dice, y compró un apartamento con cubierto solar especialmente para no dormir allí y pasar frío. Thank you.
Je suis à l'Alto de Canda, après plus de 2 heures de montée à la sortie de Loubian. Et là, ça marque l'entrée en Galice.
abbronzato, la nostra famiglia adesso è completa. Sì? No, j'espérais pas aussi gros. Zoom. Vas-y, ah, la carte est tonale. Si. Thank you.
De quitter Santiago où le soleil était revenu depuis hier, et là je fais une étape magnifique dans les sous-bois jusqu'à Negaria.
nouvelle fois le Pellegrino à la borne du kilomètre zéro. Mais cette fois, ce n'est pas la fin de son camino. Il y a encore une étape jusqu'à Muxia. Du vent qui souffle très fort là à Muxia. C'est le terme de mon périple 2014 de 1120 km.